Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je suis très content de enfin pouvoir déballer mon exemplaire du M4 MWS Tokyo Marui, le M4 GBBR, donc par Tokyo Marui. S'il y a bien une réplique qui manquait à la gamme de répliques chez Tokyo Marui, eh bien c'était un M4 à gaz. Et donc aujourd'hui, la boucle est bouclée en quelque sorte avec le M4 MWS. Donc, comme la plupart des répliques, des nouveautés, pardon, Tokyo Marui, la réplique provient d'Impulse 101. La réplique est disponible pour un montant dont j'arrive pas à me rappeler là maintenant. En euros, ça fait à peu près 380 euros. Comme d'habitude, les liens seront disponibles dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la consulter pour plus de détails à ce sujet. Pendant que je vais déballer cette réplique, je vais également attirer votre attention sur le fait que l'ami Ding Chavez a reçu son exemplaire à peu près une semaine avant moi. Il a donc eu le temps de poster plusieurs vidéos et de faire sa revue complète sur l'entre du dingo, le blog où les reviews écrites complètes de Ding Chavez sont publiées. Donc voilà, je vous invite également à aller voir la review de Ding Chavez ainsi que son feedback sur cette réplique. Comme d'habitude, je n'ai rien à redire sur l'emballage des colis de chez Impulse 101. Julien et Kenji de Impulse 101 ont encore fait du très bon travail, donc aucun souci de ce côté. Et voilà donc la boîte du M4A1 MWS Real Gas Blowback. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Powered by Z, on en parlera tout à l'heure. On peut voir que c'est indiqué numéro 2, c'est-à-dire que dans la logique de Tokyo Marui, en fait, il s'agit non pas de leur premier GBBR, mais de leur deuxième GBBR, le premier étant vraisemblablement le MP7. Alors, est-ce que le MP7 est un GBBR? Bon, c'est une question de nomenclature, ça se discute. Pour beaucoup de personnes, ça reste le premier vrai, entre guillemets, GBBR de Tokyo Marui. Hop. Et donc voilà l'intérieur de la boîte. Donc ça, bien sûr, ça n'est pas inclus d'origine, il s'agit simplement d'un chargeur supplémentaire que j'ai acheté en même temps que la réplique. Donc on va enlever la réplique de la boîte, hop. Ici, nous avons bien sûr le chargeur d'origine. Là, nous avons le mode d'emploi. Ici, une petite boîte avec vraisemblablement le bouchon de sécurité. Un outil qui permet de régler le front sight. Quelques billes. Hop, donc voilà l'emballage du chargeur supplémentaire. Et donc le voici enfin, le M4A1 MWS Tokyo Marui, donc le M4A1 GBBR de chez Tokyo Marui. Donc il y a beaucoup de choses à dire concernant ce M4, je ne sais pas forcément par où commencer. Ce que je peux dire, c'est que Tokyo Marui finalement a surtout communiqué sur deux éléments. Ce premier élément, ça va être la finition Cerakote. Alors Cerakote, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une peinture appliqué sur les éléments de la réplique et qui ensuite passe au four. C'est un système qui permet d'avoir une résistance accrue, notamment à l'abrasion, aux griffures, aux chocs, ce genre de choses, et ça permet en plus d'avoir une finition qui va être réaliste. Donc j'y connais pas forcément grand chose, mais pour autant que je puisse en juger, c'est effectivement une finition qui est tout à fait sympa. Donc d'un côté et de l'autre. On peut également voir, soit dit en passant, les marquages gravés en creux qui sont très bien faits. Avec les marquages de l'autre côté, on peut noter le HGK, Tokyo Marui, Made in Japan, etc. Là où c'est un tout petit peu dommage, c'est que autant voilà, le corps va être bien fini, autant d'autres pièces, comme par exemple le cache-flamme, qui là visiblement est juste peint, vont être un peu moins bien finies. Voilà, après, d'une façon générale, je trouve que la réplique est quand même bien finie. On peut également constater que eh bien, ça reste un M4A1 somme toute assez basique, hein, voire même un petit peu old school. Nous avons la crosse ici, crosse somme toute lambda, avec combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 positions. Il semblerait que le tube de crosse soit au standard commercial et non pas 1000 spec. Si vous avez des crosses 1000 spec, elles seront vraisemblablement un tout petit peu trop larges. Donc si vous voulez mettre une vraie crosse, c'est possible, mais il faudra mettre par exemple une petite épaisseur de scotch pour limiter le jeu.
Nous n'avons pas d'attache sangle, et ça c'est quand même très dommage. Hein, on peut voir ici qu'il n'y en a pas. Alors il y a bien sûr un attache sangle ici, mais nous n'avons pas d'attache sangle à un point là, et nous n'avons pas non plus d'ailleurs d'attache sangle ici au niveau de l'avant. Donc c'est très dommage, là aussi on peut se demander pourquoi Tokyo Marubi n'a pas inclus un attache sangle d'origine, surtout que par exemple sur la HK416 DevGru, eh bien nous avons un attache sangle d'origine, donc bon, c'est dommage que Marubi n'ait pas inclus ça. De la même façon, ils n'ont pas inclus une rallonge de canon externe, c'est-à-dire que sur les derniers EBBR de chez Marubi, notamment le SCAR-H, le HK416, vous avez en fait un canon externe en deux parties, avec une petite rallonge ici qui se dévisse, et ça vous permet de facilement passer d'un modèle full-size à un modèle CQB. Ici, nous avons donc un modèle full-size, et c'est un canon d'une pièce, qui ne permet donc pas de passer à une configuration plus petite. C'est d'autant plus dommage que le canon externe, pourtant, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, mais le canon externe ne s'arrête pas. Ici par exemple, on se dirait bon, avec une taille comme ça ils vont mettre un canon externe jusqu'ici, mais non, le canon externe s'arrête à peu près ici. Du coup ouais, on a vraiment cette partie là au final qui n'est qu'une partie cosmétique. Alors après il y a peut-être d'autres explications, hein. Chez Tokyo Marubi il y a toujours une synergie entre guillemets entre les pièces qui peut s'expliquer, donc ils ont peut-être pour des raisons techniques voulu mettre un canon court, mais du coup c'est dommage qu'ils ne nous laissent pas la possibilité de dévisser le surplus de canon externe. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire ça sur le M41 GBBR parce qu'à cause des vibrations engendrées par le système GBBR, eh bien, ça aurait peut-être pu dévisser en cours d'utilisation la rallonge de canon externe, mais voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, je parlais de la finition Cerakote, qui est l'un des éléments mis en avant par Tokyo Marubi au cours de la promotion de cette réplique, et un autre élément largement mis en avant, c'est ce qu'ils ont appelé le Z-System. L'idée, c'est que sur un vrai M4, et donc sur la plupart des M4 GBBR disponibles jusqu'à présent, vous avez donc un ensemble mobile qui recule en arrière, et lorsque le chargeur est vide, donc là nous avons un chargeur vide, je recule l'ensemble mobile et il est retenu en arrière par une pièce qu'on appelle le ball catch. Sur le vrai M4, le ball catch est une pièce qui va tout simplement s'élever un petit peu lorsque le chargeur est vide, et lorsque le ball carrier va faire son cycle, il va aller en arrière et il va être empêché de retourner en avant par cette pièce unique qu'on appelle le ball catch. Le problème sur nos versions airsoft notamment, c'est que l'arrêt très brutal du ball carrier lors de son cycle sur le ball catch eh bien va vraiment malmener le ball catch, tant et si bien que sur de nombreuses répliques, notamment les WE, eh bien le ball catch va rapidement cesser de fonctionner correctement. Et sur les répliques Western Arms, le ball catch souvent ne fonctionne pas d'ailleurs très très bien non plus. Donc le raisonnement de Tokyo Marubi, ça a été de se dire, bon, le ball catch en airsoft sur les M4, ça fonctionne pas très bien, donc on va inventer un tout nouveau système qui va permettre de limiter les contraintes sur le système d'arrêt de tir, parce qu'on ne peut plus tellement parler de ball catch ici, car le système au final va être beaucoup plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter la réplique, donc ça se démonte plus ou moins donc, comme un vrai M4, pour le moment c'est réaliste, hein, il suffit d'enlever la goupille ici, et de voilà, soulever. On peut voir qu'il y a une autre goupille à l'avant du corps qu'on n'est pas forcément obligé de démonter, mais je vais le démonter ici car ça va faciliter la présentation. Hop, voilà. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et lorsque j'active manuellement le ball catch, on voit ici qu'il y a une pièce. Et c'est cette pièce au final qui va venir amortir, ou enfin qui va venir arrêter l'ensemble mobile, donc l'ensemble mobile hop, qu'on voit ici. On peut voir, soit dit en passant, que la réplique me semble très raisonnablement lubrifiée d'origine, tout a l'air de bien coulisser. Et donc l'idée, c'est que au niveau du ball carrier, vous avez un petit crochet ici, et ce petit crochet va venir se bloquer contre ce crochet-là. Et il y a tout un système d'amortissement. On peut voir que si j'appuie manuellement ici, ça va en avant. Et ce qu'il faut visualiser, donc je vais mettre la vidéo que Tokyo Marubi a fait parce que ce sera beaucoup plus parlant que ma petite démonstration ici, mais l'idée, c'est que le ball carrier, plutôt que d'être instantanément bloqué par une petite pièce, en fait il va être amorti par un système qui va permettre de soulager le système. Ça va permettre d'appliquer la contrainte exercée par le ball carrier sur un ensemble de pièces plus important, ce qui devrait donc permettre d'avoir un système fiable, et surtout un système qui va bien vieillir, qui ne va pas s'user de façon prématurée.
On peut voir d'ailleurs que d'une façon générale, ce système d'amortissement a été un petit peu généralisé à l'ensemble de la réplique. Là, on peut voir le bout du nozzle qui lui-même est monté sur ressort. On va retirer également ces pièces au niveau du canon externe en faisant gaffe à ne pas le laisser s'envoler. Donc ici nous avons le ressort, ici nous avons cette autre pièce, je n'arrive pas à me rappeler du nom des pièces, je suis désolé, mais on a donc cette autre pièce qui vient repousser le bol carrière lorsqu'il cycle, et on peut voir que cette pièce également est montée sur ressort et vient donc amortir l'ensemble. Donc on a vraiment un système qui s'auto-amortit. Voilà, je fais confiance aux ingénieurs de Tokyo Marui pour avoir imaginé un système qui devrait être fonctionnel, solide, fiable, sur la durée. Bien sûr, cette réplique vient de sortir, donc on ne peut pas affirmer avec certitude que ce système va être fiable sur la durée. Mais voilà, moi je fais confiance à Tokyo Marui pour ça, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. Un autre élément intéressant que l'on peut voir, donc ici nous avons le bloc détente de Tokyo Marui, qui lui non plus n'est pas réaliste. On voit ici d'ailleurs le marteau ici. Quand on appuie, c'est à peine si le marteau est relevé, donc ça n'est pas forcément voilà, très réaliste, mais encore une fois, c'est un choix fait par Tokyo Marui. Et ici, en fait, nous avons une roulette. Et cette roulette répond à cette autre roulette présente sur le bol carrier, qu'on peut voir ici. Et l'idée, du coup, c'est que lorsque le bol carrier bouge à l'intérieur de la réplique, il y a ces molettes qui permettent de faire en sorte que l'ensemble mobile se déplace de façon extrêmement fluide. D'une façon générale, ouais, tout a été pensé pour que, en termes de mécanique airsoft, le système soit fluide, soit fiable, et optimise notamment la consommation de gaz. Et ce choix a été fait en détriment du réalisme. Donc, pour le coup, l'interne de la réplique n'est pas du tout réaliste, car ça n'était pas l'objectif de Tokyo Marui. Donc, après, c'est à vous de voir. Est-ce que ça vous dérange que l'interne soit réaliste ou non ? Moi, je dois bien avouer que je m'en moque, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On peut voir donc comment ça fonctionne. On a la pièce ici qui vient soulever le ball catch, et c'est le ball catch qui vient soulever le crochet du Z-System pour que l'ensemble mobile vienne s'amortir contre le Z-System plutôt que de se bloquer de façon brutale contre le ball catch. Ici, nous pouvons voir la molette de réglage du hop-up qui, du coup, est accessible relativement facilement. En fait, il suffit juste de reculer le bol carrier et donc de venir régler de cette façon. Alors je pense pas qu'on puisse vraiment se servir de la fenêtre d'éjection pour venir régler, parce que voilà, l'espace n'est pas très important, mais il suffit au final de voilà, casser la réplique en deux, de retirer le bol carrier et de venir simplement avec le doigt régler le hop-up. C'est moins facile par exemple que sur le MP7 où là c'était on avait un réglage qui était vraiment facile, mais par rapport à d'autres répliques notamment VFC, WE, où il faut une clé hexagonale et venir l'enficher exactement là où il faut. Bah, bon, voilà, on a un système qui est quand même plus simple dans le cas présent. Levier d'armement, alors c'est de la totale intuition de ma part, mais j'ai l'impression que le levier d'armement est un petit peu court. Il faudrait vérifier cette information-là. Je n'ai pas d'autres M4 GBBR avec lequel comparer, mais voilà, si quelqu'un a l'occasion de comparer, je serais curieux de voir, car j'ai... Quand je vois ça dans mes mains, ça me donne une impression de petitesse, ça me paraît court, donc voilà, j'aimerais bien, je serais curieux de savoir si c'est une longueur réaliste ou pas. Donc je remets le levier d'armement sur l'ensemble mobile, je l'insère dans le haut du corps, hop, je m'assure que la goupille est bien tirée ici, je pousse légèrement ce qu'il y a dans le tube de crosse, hop. Je remets la goupille et voilà, c'est remonté. Si j'essaye de reculer lentement l'ensemble mobile, on peut voir voilà, que le nozzle reste bloqué assez longtemps contre le bloc hop-up, ce qui devrait assurer une étanchéité assez importante lors du tir. Alors, je disais juste précédemment que l'interne n'est pas réaliste. En revanche, et ça c'est important de le signaler je pense, toutes les manipulations externes de la réplique sont elles en revanche réalistes. On va avoir une vraie détente avec une vraie sensation mécanique. On va avoir un trigger reset bien sûr. Tac.
On va avoir bien sûr un levier d'armement totalement fonctionnel qui permet vraiment de reculer l'ensemble mobile, un système d'arrêt de tir, type ball catch donc, qui bloque le ball carrier en arrière, un bouton d'éjection du chargeur bien sûr, un ball catch donc qui s'active, sur lequel il faut appuyer pour ramener l'ensemble mobile en avant, et cerise sur le gâteau, je dirais, on a même un forward assist lever, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, le nom m'échappe exactement, mais l'idée c'est que sur un vrai M4, on a ce levier ici qui permet de aider la fermeture de l'ensemble mobile lorsque celui-ci, par exemple, est très très sale. Donc par exemple, là, je pense que si j'appuie ici sur le levier, voilà, ça va ramener l'ensemble mobile en avant. Alors, ce qu'il faudrait, c'est réussir à bloquer plus ou moins la culasse. Alors là, on l'a vu un petit peu. Comme l'air de rien, c'est relativement bien lubrifié, c'est difficile de bloquer la culasse. Si j'appuie là, je pense qu'on va avoir bougé légèrement. Ouais, c'est très léger. Bon, toujours est-il que voilà, vous pouvez voir des petits crans ici. Et l'idée, c'est que lorsque vous appuyez sur ce bouton, il y a des petits crans comme ça sur l'ensemble du bol carrière. Et lorsque vous appuyez donc sur ce levier, ça vient pousser les petits crans jusqu'à la fermeture totale de la culasse. Alors, ça ne sert à rien en airsoft. D'ailleurs, visiblement, ça ne sert pas vraiment à grand-chose sur le vrai non plus. Toujours est-il que ça a été répliqué par Tokyo Marine. Ça permet donc de dire sans ambiguïté que la manipulation externe de la réplique, donc la manipulation que vous êtes susceptible de faire en jeu, elle est réaliste. Vous n'avez certes pas un interne réaliste, mais vous avez une manipulation réaliste. Et donc après, c'est un petit peu, ça dépend de quelle école vous faites partie. Est-ce que vous voulez une réplique réaliste jusqu'à la dernière vis, avec notamment un interne extrêmement réaliste? Dans ce cas, eh bien clairement, le M4 Tokyo Marine ne va pas vous plaire. Par contre, si vous voulez une M4 qui va être a priori fiable, même si pour cette question il faudra attendre quelques mois, quelques années pour savoir si la réplique est vraiment fiable, toujours est-il que voilà, c'est l'argument de vente de Tokyo Marui, quoi. Ça va être très jouable en sortie de boîte, ça va être fiable, et il n'y aura a priori rien besoin de changer dedans. Donc ça dépend ce que vous attendez d'un GBBR. Moi c'est clair qu'à partir du moment où la manipulation externe de la réplique est réaliste, ce qui se passe à l'intérieur de la réplique, ça m'est égal du moment que ça permet de privilégier un réalisme au niveau de la manipulation. Donc en parlant de réalisme, on va justement jeter un coup d'œil à la cut détente. Ça c'est un élément auquel moi pour le coup j'attache beaucoup d'importance. Donc là la réplique est armée, voyons ce qui se passe quand j'appuie sur la détente. Ok. Oh la vache, le trigger reset est assez long pour le coup, et... Ah là, oh, j'aime pas ça, j'aime pas beaucoup ça. Ça gratte un petit peu, là vous voyez... Donc là, je n'appuie pas sur la détente, là... Là j'ai un tout petit jeu, mais qui, lui, ne me pose pas problème. En revanche, entre le moment où je commence vraiment à appliquer une pression... Là, vous voyez, il y a eu un petit jeu... Et c'est qu'ensuite que le coup part, et ça c'est pas terrible pour le coup. De la même façon, le trigger reset, donc là, je laisse la détente revenir en position initiale. Ça me paraît très long. Ouais, la queue de détente est honnêtement pas géniale, quoi. En comparaison, la queue de détente d'une mécanique WA est plus réaliste. Dans le même genre, il y a les M4 VFC, GBBR, qui ont également une sensation extrêmement réaliste. Bon, c'est une des choses qui me faisait un petit peu peur sur les Marui. J'ai jamais été très fan des détentes sur les Marui d'une façon générale, que ce soit les GBB ou même le MP7. Et là, malheureusement, la détente n'est pas géniale non plus. Ici, nous avons le chargeur. Donc, chargeur qui peut contenir 35 billes. Je suis content que j'ai fait le choix de mettre un peu plus de billes que la capacité réelle de l'arme dont la réplique s'inspire, car bah, qui peut le plus peut le moins. Si vous voulez être réaliste et n'avoir que 30 billes dans le chargeur, bah, mettez-en 30. Si vous voulez avoir un peu plus d'autonomie sur le terrain, mettez-en 35, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. On peut voir ici la valve de percussion qui est assez, assez disons, inhabituelle par rapport à d'autres chargeurs de M4 GBBR. Nous avons la valve de remplissage qui est sur le dessous. On peut constater le marquage Tokyo Marui ici. Le système d'arrêt de tir ici. Donc là, il n'y a pas de bille, donc le loquet est relevé et vient
activer le Z-système à l'intérieur de la réplique. Alors je n'ai manifestement pas fait de test, mais voilà, c'est un système propriétaire, hein. Ne pensez pas que n'importe quel autre chargeur GBBR du marché sera compatible. La réplique Marui sera compatible uniquement avec les chargeurs Marui et aucun autre. Une petite bricole que j'ai oublié de montrer lors du déballage en début de vidéo, c'est ces petits accessoires qui étaient également dans la boîte. Donc nous avons la très habituelle, devrais-je dire, tige de nettoyage slash débourrage. Donc avec cette partie, vous pouvez déloger une bille qui serait bloquée dans le bloc hop-up de votre réplique. Et avec cette partie-là, vous pouvez nettoyer votre canon en mettant un petit morceau de sopalin, de papier toilette, et en le passant dans votre canon interne. Et ici, nous avons un bébé loader, entre guillemets, donc qui va venir se mettre contre les lèvres du chargeur de cette façon-là. Vous allez mettre vos billes ici, et avec le poussoir intégré, vous allez remplir votre chargeur. Alors, je me rappelle que Dink Chavez, dans sa vidéo, disait que pour remplir un chargeur de MWS Tokumarui, il fallait remplir pendant pas mal de temps avec la bouteille de gaz. Donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donne, j'ai envie de montrer ça en vidéo. Donc je vais me servir d'AB Boot Sniper. Donc soyez attentifs, avec les chargeurs Tokumarui, on entend beaucoup de gaz, mais il faut bien repérer à partir de quel moment le gaz commence vraiment à partir de la valve d'injection. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Et effectivement, ça a pris un certain temps, quoi. Alors je n'ai pas compté, j'étais concentré à bien rester dans la bonne position. Mais entre le moment où j'ai commencé à remplir et le moment où on a vu du gaz commencer à sortir de la valve d'injection, il s'est effectivement passé pas mal de temps. Donc c'est une logique inverse par rapport à d'autres chargeurs de GBBR. Et soyez conscients, voilà, qu'il faut quand même charger pendant un certain temps les chargeurs en gaz. Alors je ne résiste pas à l'envie de tirer quelques coups à vide pour voir un peu ce que ça donne niveau kick. Donc on a vu que la réplique était visiblement bien lubrifiée d'origine. Cela étant dit, je ne vous recommande pas de faire ça avec une réplique en sortie de boîte. Pour les répliques à gaz, les GBB, les GBBR, il vaut mieux réaliser un entretien, et ce, des réceptions de la réplique. Donc il y a du gaz dans la réplique, je maintiens le ball catch enfoncé, et voyons voir ce que ça donne. Et ben, en ce qui me concerne, je trouve ça très 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 sympa. C'est au moins au niveau, à mon avis, d'un GBBR WE, ce qui en soi me paraît déjà très sympa. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tiré pas mal de coups, j'ai tiré même des rafales, j'ai eu aucun souci de cooldown. Donc voilà, pour moi ça augure du bon. Le chargeur est quand même un petit peu froid, on peut voir d'ailleurs la condensation un petit peu que je laisse avec mes doigts, mais... Voilà, je ferai des tests de cooldown dans ma vidéo de tir, je pense. J'essaierai de vider un chargeur en full auto en intérieur, donc par 20 degrés, et en extérieur, donc avec des températures certainement entre 5 et 10 degrés. On verra bien comment ça se comporte à ce moment-là. Alors, un autre argument en faveur du Marui, c'est que la puissance sera adaptée à nos habitudes de jeu en France dès la sortie de boîte. Différents tests ont montré une puissance d'environ 280-300 fps avec un gaz faible. Moi j'utiliserai certainement dans mes tests du gaz AB Brut Sniper, qui je suppose permettra d'avoir une puissance aux alentours de 330 fps par 20 degrés. Bon, sur ce, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de la réplique. Encore une fois, donc, je vous invite à aller voir la review de l'ami Dink Chavez, qui est accessible via les liens de la description de la vidéo. Il a fait notamment un démontage complet de la réplique, donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux vis-à-vis de l'interne de la réplique. Moi, bien sûr, je vais aller faire un test de tir, une vidéo de tir pour cette réplique. Ce qui est intéressant également, c'est que là, nous sommes en plein automne, donc lorsque je ferai mes tests de tir en extérieur, il fera vraisemblablement entre 5 et 10 degrés. Donc ça permettra de voir si la réplique est utilisable par temps froid. Je ferai également par exemple des chargeurs anti en full auto pour voir si au niveau cooldown la réplique se débrouille bien. J'espère qu'elle se débrouillera bien, mais j'ai relativement confiance de ce côté là.
Et puis en somme, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus !